Et gros, encore une vidéo à l'arrache. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que mon compte super sécurisé de Skype, bon, apparemment, n'était pas très sécurisé. Hein. Ça s'avère que bon, j'avais pas changé de nom depuis super longtemps. Du coup, je me suis tapé un bot de merde qui envoie ce genre de message à la con. Et du coup, ça l'a envoyé à toute ma friend list. Et du coup, j'ai fait un script qui va nettoyer tout le carnage un peu. Donc, en gros, ça clique sur chacun de mes amis. Et puis, ça fait un simule à clic droit et ça supprime le message, quoi. J'ai simulé les actions qui devaient être faites, en gros. Et puis, j'ai mis ça dans un petit timeout. Et puis, ça fait ça en boucle, quoi. Voilà, non, c'est juste... Si jamais vous vous rendez compte que vous envoyez des trucs de merde, comme ça, changez votre mot de passe. Je pensais que c'était un virus qui se mettait sur l'ordi comme un gland. Et c'est vrai que de me faire pawn, j'ai compris que c'était en fait tout simplement quand t'avais un mot de passe de merde, et bah, à coup de brute force, il le trouve et puis voilà quoi. Et puis après t'es recon. Donc j'ai dû changer mon mot de passe, c'était un enfer. Là maintenant que je sais qu'il tourne, je peux vous montrer vite fait le code. C'est cette petite ligne là qui est sectionnée. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe, c'est que... Bon, ça c'était juste des logs, donc je scroll l'élément dans la fenêtre, je le clique, après j'ai un timeout qui fait, qui sélectionne, ça c'est du genre WeQuery, jQuery, un bon petit jQuery à la règle, donc mon sélecteur, ça me retourne à un vrai array par contre, donc c'est pratique, donc je peux faire cache un filter dessus, je récupère tous ceux qui ont leur baidu.com de merde. Ensuite, pour chacun des liens de spam qui a été, normalement on en a qu'un, mais bon, j'ai fait traiter ça comme une liste, comme ça c'est plus simple. Et ben, je simule un clic droit. Donc là, vous avez affaire avec une des fonctions du DOM les plus belles que j'ai jamais vues de ma vie, hein. Donc, si on compte les paramètres pour s'amuser, on a combien d'arguments là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, j'ai perdu le compte. 11, 12, 13, 14. C'est ridicule. Qui c'est le connard qui a écrit cette fonction et qui s'est dit, c'est une bonne idée, ça? J'aimerais bien le rencontrer juste pour voir, t'sais. Quelle est la personne? Bon, bref. Voilà, donc après on dispatch l'event magnifique qu'on vient de créer, et puis ensuite j'ai un autre beau timeout, c'est que avec du timeout en dur, tu vois, et là qui fait encore un sélecteur pour trouver l'élément cliquable, le troisième qui est supprimer l'élément et qui clique. Et puis après, bah, je prends l'élément suivant, donc c'est-à-dire que je prends le parent et l'élément qui suit, et après le premier élément, etc. Et je commence au 43 parce qu'en faisant mes tests, j'ai avancé un petit peu déjà, donc voilà. Donc ça, c'est celui qui prend le premier élément et qui commence la sauce. Donc je peux vous remontrer quand ça tourne. Voilà, donc je sais pas combien j'en ai fait. J'ai une grosse liste d'amis, donc ça fait beaucoup de personnes. Donc si j'aurais dû me taper tout ça à la main, ça aurait été un enfer. Donc on remercie à Skype quand même d'avoir une version web qui nous permet de facilement faire ce genre de choses. Voilà, gros poutou.